Et yo tout le monde, c'est Crosto, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On est sur Fortnite Battle Royale et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur Fortnite. C'est-à-dire ça fait longtemps que je vous ai pas sorti de vidéo. On s'attaque directement pour la vidéo 3 secrets sur Fortnite Battle Royale. Saison 4, chapitre 2. Je vais pas sortir les secrets. Ah mais regardez, il y a Galactus là-bas. Non, ça c'est un secret. Claqué au sol, on peut totalement dire ça. On va dire qu'on va aller en labo de combat. On va lancer et je vais vous montrer les trois secrets. Les gars, on se retrouve directement en game. À tout à l'heure. Et voilà les petits potes. Voilà le premier secret. Parce qu'il y en a trois. Bien sûr, c'est. Il y en a deux de la du chapitre 1. Et il y en a un. Ça n'a rien à voir de Fortnite totalement. Déjà, il y a celui-là. C'est. Il était dans le chapitre 1. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de la ville, mais c'était où il y avait des pyramides. Il y avait des pyramides. Et il y avait ça. Et où on est ici, c'est... Ben, vous avez bien vu pour du timelapse que j'ai fait juste avant. Et dites-moi s'il est bien. Et si vous vous rappelez du nom de la ville, n'hésitez pas aussi à l'écrire dans les commentaires. On va directement passer au deuxième secret. Et celui-là, il a un peu... Il fait pas du tout partie de l'histoire de Fortnite. A tout à l'heure. Voilà les gars, voilà le... On va dire mon cassé juste là. Et quand on tape, ça fait un bruit chelou. J'aurais une petite idée moi. Et je vais pas vous la dire, mais je vais plutôt vous la montrer en image. Écoutez, vous entendez? Il y a un bruit de zombie, un truc comme ça. Pas vraiment de zombie, comme d'un monstre. Je vais vous montrer directement en photo. Oh les gars, voilà, je vous ai directement mis la photo. Si on regarde bien, je vais directement décoller ça. Si on regarde bien, c'est totalement ça. Regardez ici, il y a le tuyau, tout ça. Et voilà la photo de derrière. La photo de derrière. Voilà, regardez, c'est totalement ça. C'est la voiture de Ghostbusters. C'est SOS Fantôme, mais après c'est Ghostbuster. Dans la série Stranger Things, il y a un petit truc de Ghostbuster dans l'épisode 4 de. Non, oui, de l'épisode 4 de la saison 2, je crois bien. Ils s'habillent tous en Ghostbuster. Et quand on la casse. Enfin. Ça fait comme si la voiture n'avait plus de batterie. Vous voyez les anciens jeux, quand vous les cassez en entier, ça fait... Ben, ça fait la même chose. On dit que ça, c'est juste un jouet. On va pas passer tout le temps dessus. On va directement passer sur le troisième secret de Fortnite. Et lui, là, il devrait beaucoup de personnes savoir qu'est-ce que c'est. À tout à l'heure. Il doit y avoir des personnes qui savent absolument ça c'est quoi. S'il y a personne qui sait, c'est du gros n'importe quoi. C'est, je vais vous dire, l'horloge de Tilted Tower. Je vais essayer de vous trouver une photo. À tout à l'heure. Voilà les gars, directement. Vous avez la photo et vous avez l'horloge au chapitre. Chapitre 1, chapitre 2. C'est totalement celle-ci.
Peut-être ils pointent pas à la même heure. Mais quand même, il y a un truc, c'est que l'horloge, elle indique 2h25. 2h25. Et sur la photo, elle indique minuit. C'est-à-dire que 00, minuit, midi. Je sais pas si c'est un rapport. Parce que le truc, c'est que je ne sais pas si ça fait longtemps qu'elle est là, l'horloge, ou ça fait. Ou elle vient d'être mise cette saison. C'est ça le que je ne sais pas. Parce que ici, où je suis, là, j'atterris jamais. Seulement pour les quêtes. Pas pour les quêtes. Pour les pièces d'XP. Des fois, je viens ici juste pour les pièces d'XP. Et il y en a eu une seule. Et elle est à la maison, là-bas. Et c'est une pièce bleue. Mais si vous savez, ben dites-moi. Pour que je sache, moi et d'autres personnes. Parce que je suis sûr que presque tout le monde se pose des questions. Peut-être. Elle va être renouvelée. C'est-à-dire, elle va être réparée, l'horloge. Et il y aura de nouveau Tilted Tower. S'il y a ça, c'est trop bien. S'il n'y a pas, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. On finit sur. Ah non, c'est pas fini. Les gars, là où je suis, pour les personnes qui ne savent pas, je suis juste ici. Ici, c'est. Ma théorie, c'est que. Ça, c'est un camp de formation. Pour les. Comme les GIGN, les policiers, comme ça. Pour les guerriers. Parce que si ici, juste ici, juste ici, il y a des cibles pour s'entraîner. Et si on regarde bien, il y a des balles. C'est-à-dire, ils ont été utilisés. Moi je me dis, c'est que ici c'est un camp de formation pour comme la guerre. La guerre contre les zombies, parce que si vous regardez bien juste ici, il y a un bus qui barricade. Il barricade l'entrée. Il y a un bus, il y a des barrières, même s'ils serviront pas à grand-chose. Tout cet endroit, il est autour de l'eau. Moi, je me dis, il se prépare à une guerre contre. Peut-être c'est la guerre contre les zombies. Pour Halloween, peut-être c'est ça. Le truc, c'est que personne ne sait. Peut-être même Epic Games ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de cet endroit ici. Là, y a une case. Ici, il y a une grosse tour. Ça a l'air une tour de. Où là, il y a des hommes qui se mettent avec des armes et qui tirent. Y a beaucoup trop de. Y a beaucoup trop d'indices et de trucs différents. C'est ça que moi j'arrive pas à. J'arrive mais pas trop, c'est-à-dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ces trucs-là, il y en a à. Il y en a à Holy Edge. Il y en a ici. Juste ici, si vous allez juste ici, il y en a. C'est très bizarre, ça. Ces trucs-là. Il y en a aussi à. Juste ici, c'est où comment ça s'appelle? Juste ici à la casse qui est vers ici. Non, elle est totalement ici. À Hydro 16. Il y en a à Hydro 16, ces trucs. Il y a aussi des voitures là. Moi, je me dis, ça, le métal, ils utilisent pour faire des armes et des balles. Et ils s'attendent au pire qui sont les zombies. Et voilà. Si vous avez d'autres propositions, ben vous avez à vous pouvez toujours me les envoyer sur Instagram, dans les commentaires. Tout est en description. Mon Instagram dans la description,
Mon TikTok, merci pour les 300 abonnés. Plus de 300. Et mon serveur Discord qui est aussi en description. Vous pouvez me contacter sur Instagram et Discord. Et sur Discord, vous pouvez envoyer des messages sur le serveur ou en privé, mais il faut d'abord m'envoyer une demande d'amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire. Partager pour que tout le monde le sait, ces trucs-là. Vous dites, ah mais non, c'est nul et tout ça. Mais je vous dis non. C'est des trucs ultra importants. Il faut beaucoup de personnes le sachent. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.